ministre, mesdames et messieurs, en temps de crise, il y a une urgence de la pensée et ce rendez-vous de réflexion, d'échange des lumières de la raison, de perspectives et d'expériences répond à cet urgent besoin de lucidité dans notre région de l'Afrique de l'Ouest, qui traverse en cette séquence du temps historique une zone turbulente ou une zone de turbulence. Je voudrais, au nom du président de la République, le président Fornia Singbe, vous souhaiter la bienvenue au Togo. Donc je voudrais très sérieusement vous remercier pour votre présence et pour les contributions que vous aurez à faire et que nous aurons à partager pendant ces deux jours. Le président de la République togolaise, le président Faure Sozimnyanya Singbe, je pourrais vous rassurer, attache une grande importance au résultat que notre colloque fournira, afin que ceux-ci puissent permettre à lui-même et à ses pairs d'échanger efficacement et de trouver les moyens, les voies et des moyens pour résoudre les problèmes d'insécurité dans notre région. Sur ce, tout en renouvelant, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, des mots de bienvenue et de remerciement à l'endroit de notre ami Aliou, du professeur Kokoroko et de vous-même, je voudrais déclarer ouvert notre colloque sur la gestion des transitions politiques et le renforcement des résiliences face aux extrémismes violents, le cas de l'Afrique de l'Ouest, et je vous remercie.